Un matin froid et humide de mars 1981. Hunt, Aviri, Surtees, Agostini, Duke, les stars du sport motocycliste s'étaient rassemblés afin de manifester leur respect et leur chagrin auprès du très légendaire pilote de course moto, Mike Elwood. Des milliers de motards entouraient la petite église de Sainte-Marie-Magdelaine à Tenworth-in-Arden pour d'émouvants et derniers adieux au héros décédé tragiquement dans un accident avec sa fille Michelle. Quelle ironie pour un homme qui risqua sans arrêt sa vie de mourir dans de telles circonstances sans qu'à un seul moment il n'ait commis la moindre faute. Trois ans plus tôt, Mike, alors âgé de 39 ans, confirmait, si cela était encore nécessaire, qu'il allait bientôt devenir une légende alors qu'il exécutait l'un des retours à la compétition les plus brillants de tous les temps sur l'île de Man en 1978 avec sa 13e victoire au TT. Mike nous fait part de ses impressions à l'époque. À chaque tour, à chaque passage, il m'acclamait en agitant le programme. C'était fantastique. En traversant Ramsey, qui est un passage plutôt lent du circuit, je pouvais effectivement entendre les gens m'acclamer sur le côté de la route. Un truc de fou. Gagner une course au TT à n'importe quel moment est déjà en soi une réussite. Et gagner sur différentes machines après 11 ans d'absence est quelque chose d'inimaginable. Mais Mike est un homme qui y croit, et c'est ce qui fait toute la différence. Il a toujours aimé les challenges, et les plus de 60 km de virages tortueux et de longues lignes droites du TT ressemblaient bien à cet ultime challenge. Les aptitudes naturelles de Mike apparurent très tôt, en fait dès l'âge de 18 ans, où il fut triple champion de Grande-Bretagne. En ce temps, les paddocks étaient remplis de monocylindres anglais pilotés par des gens comme Minter, King, McIntyre ou encore Shepard. Les triples champions du monde, John Surtees et John Hartle, étaient juchés quant à eux sur des MV Agusta italiennes. Derek Minter put même avoir un avant-goût de l'humeur de Mike. Mike nous gratifie d'un avant-départ pour le moins continental. Le journaliste Charlie Rousse nous raconte ses souvenirs de ses premiers jours. Je peux dire que j'ai connu Mike Elwood tout au long de sa longue carrière de pilote. J'ai même eu la chance d'être présent à sa première course qui, je crois, se déroulait à Houlton Park en 1957. Ce jour-là, il ne se fit pas particulièrement remarquer. Il resta dans le paquet et finit cinquième ou sixième dans une course de 125. J'ai vraiment rencontré Mike Elwood pour la première fois à un meeting à Crystal Palace. En ce temps-là, je ne travaillais pas encore pour Motorcycle News, mais pour un journal nommé le News Chronicle, où j'écrivais des chroniques concernant la moto. J'étais dans la loge de presse. Et ce petit bonhomme, avec son immense chapeau de la taille d'un sombrero, commençait à sérieusement m'ennuyer en revenant sans cesse nous vanter les mérites de son fils dans les éliminatoires et en demi-finale. Je mentionne cela car Stan Elwood a toujours tout fait pour pousser puis aider son fils Mike Elwood, et ce, dès le début. Il dépensa énormément d'argent pour lui faire de la publicité. C'était alors une chose totalement inconnue pour la presse de recevoir des communiqués concernant la façon dont tel ou tel pilote réussissait. Mais chaque semaine, tous les lundis, immanquablement, le journal Kings of Oxford nous informait des performances de Mike Elwood, de sa moto et de ce qu'il avait réalisé le week-end précédent. Alors, avec le temps qui passait, j'ai appris à le connaître. Mais le fait est qu'il n'avait pas réellement besoin d'être poussé. La chose formidable avec lui, c'était son talent. Le talent de pilotage, c'est une chose que vous ne pouvez pas acheter. Il possédait un talent exceptionnel. Et tout l'argent nécessaire pour l'exploiter. Une chose extraordinaire. Mais Stan Elwood n'était pas un homme stupide avec son argent. C'était un millionnaire qui s'était fait tout seul
et qui faisait travailler Mike pour chaque penny que ce dernier avait en poche. On ne va pas en parler pendant une heure, mais si, par exemple, Stan achetait une moto, Mike devrait la payer en gagnant. Les médias avaient de toute évidence remarqué Elwood et firent de très bonne heure sa publicité en direct. Ils attaquent dans Beckett's. Ainsi, nous pouvons voir les différentes positions. C'est Elwood sur le côté avec son casque noir, le numéro 3. Le casque noir avec une ligne blanche en bas. Et devant, avec le casque blanc, c'est Tommy Robb. Cet homme, ce champion, est un formidable pilote. Il est sorti de l'anonymat durant les deux dernières années. C'est le fils d'un homme du Sud. Retour une fois de plus sur les hommes de tête, et c'est vraiment un superbe spectacle à regarder. Ils échangent leur position sans arrêt. C'est maintenant Robb et Elwood. Regardez comment Mike Elwood attaque en se plaçant derrière ses adversaires. À l'aspiration derrière, gagnant ainsi de la vitesse à ce petit jeu. Elwood est maintenant dans la roue arrière de Robb, attendant la bonne occasion. Elwood se dégage de l'échappement de Robb et le dépasse à l'extérieur dans Maggots. Elwood est en tête maintenant, au moment où ils abordent Beckett's. Ils restent tout le temps couchés sur leur moto, tout en contrôlant impeccablement la trajectoire. Mais comment ses compagnons percevaient-ils Mike? Nous avons demandé de nombreuses fois aux champions du monde Giacomo Agostini et à deux autres stars de nommer leur pilote préféré. Mike Elwood. Parce que c'est un véritable gentleman, c'est un vrai gentleman, très rapide et très sérieux, très professionnel et très sympathique, bien entendu. Oui, oui. Sur les pistes aussi, il était très, très... Oui, il travaillait très dur. Il faisait son boulot, mais respectait aussi toujours les autres pilotes. Il était réellement un pilote remarquable. Finalement, il a rejoint MV et plus tard Honda. Et ses performances, surtout concernant les courses du TT, furent absolument exceptionnelles. Le plus mémorable, bien sûr, fut après une longue période de retraite, lorsqu'il revint en 1978 avec la Ducati et anéantit totalement ses adversaires. Un retour qui marquera l'histoire du TT. Je ne suis pas retourné au TT jusqu'en 1968, et cela fut pour voir Elwood égaler mon record et l'année suivante le battre. C'est devenu un véritable ami à partir de ce moment. Il avait ce petit plus et il a choisi d'en faire profiter son pilotage. Mais je dois reconnaître qu'il était le meilleur, surtout si vous tenez compte qu'il pouvait changer de catégorie, de la 500 à la 350, puis de la 125 à la 250, sans que cela ne semble faire beaucoup de différence. C'est, à mon avis, ce qui fait la marque des grands pilotes par rapport aux autres. J'ai énormément d'estime pour Elwood en tant que pilote de course, en raison de sa capacité à gagner sur n'importe quelle machine. D'une monocylindre 125 de temps à une 254 temps jusqu'au 504 cylindres. Il pouvait piloter n'importe quelle machine et gagner quoi qu'il arrive. 0 heure. Le drapeau libère la première paire de pilotes à s'élancer sur le circuit du TT. Cette incroyable capacité à piloter et surtout à piloter avec le même talent tant de différentes machines est confirmée par la première course au TT de Mike. 1958, troisième sur une NSU 250 et septième sur une 125 Patton. 1959, troisième sur une Norton 350 et troisième sur une Ducati 125. Dans les années 60, au senior, Mike dut se battre contre les MV Agusta de Hattie et Surtees sur une Norton 500. C'est ainsi qu'il commença à marquer de son empreinte l'histoire. En 1960, Elwood pilota l'une de ses motos, une Norton Manx. Et sa célébrité devint alors internationale, car c'est justement cette année au TT que lui et un autre pilote, Derek Minter, réussirent à aligner plus de 100 tours sur le circuit de l'île de Man, sur une machine monocylindre.
Chacun d'eux le fit sur une Norton. En fait, Minter fut le premier à le faire sur une machine préparée par Michael Stivelanks. La machine d'Elwood était quant à elle préparée par Michael Beleff. Mais nous pouvons affirmer que si Minter fut le premier, c'est parce que sa moto était légèrement plus rapide. Il fut donc le premier. Mais le fait est qu'Elwood réalisa cet exploit le jour même. Une chose importante, l'année suivante, en 1961, alors qu'Elwood pilotait de nouveau une Norton Manx 500, il s'aligna sur une AJS 350, ainsi que sur deux Honda, un bicylindre 125 et une 250 4 cylindres. Si le nom de Mike était déjà de tous les records en 1960, 1961 fut l'année de l'accomplissement du nom d'Elwood dans l'histoire du Titi. C'est à partir de cette époque que les Japonais arrivèrent en masse. Mike, aux côtés de Jim Redman, de Luigi Taveri, de Tom Phillips et de Shimazaki, courait sur la fantastique et très rapide Honda 125. Tavert démarra 10 secondes avant Mike, mais Mike le garda en vue tout au long de la course, sachant que c'était la seule chose qu'il avait besoin de faire pour remporter la victoire au Titi sur une Honda. Il est difficile pour quiconque n'étant jamais allé sur l'île de Man d'apprécier l'adresse et le courage nécessaires pour lancer une moto de course à moins de 3 cm d'un mur de pierre et ce à plus de 160 km/h. Mais ceci n'était seulement que deux des nombreux talents de Mike. Governor's Bridge, Tavert est en tête juste devant Mike. Mais Elwood mène au chrono et vient même de battre le record du tour de plus de 3 km/h. Une grosse bagarre en tête de la course. Admirez Elwood qui a réussi à recoller son adversaire. Et au deuxième tour, Mike bat une fois de plus le record du tour avec plus de 140 km/h de moyenne. Tom Phillips est troisième et les autres pilotes sont maintenant relégués à plus de 5 km. Les Honda dominèrent non seulement cette course, mais aussi celles à venir dans les années suivantes. Honda était d'ailleurs si confiant dans cette première victoire que le tournage d'un film fut réalisé à cette occasion, tournage retraçant les moments les plus intenses de la compétition, assurant ainsi la promotion d'un Japon renaissant des cendres de la guerre par le biais du sport motocycliste. この電話連絡によって監督はガソリンピットを通過するライダーたちに残り回数や適切なスピードを指示してやるのである。コース37マイル地点のカーブ。ここでは若干21歳のヘルウッドはついに7秒1の差でタイム1時間16分58秒6の新記録で優勝。 Le commentateur, déjà pour le moins enthousiaste lors de la victoire de Elwood en 125, sembla manquer de qualificatif lorsque Mike répéta sa victoire en 250, toujours sur une Honda. Mike était déjà fier de recevoir le premier des 14 trophées qu'il allait récolter ici, au Titi. Il n'y avait pas de machine japonaise alignée pour le Senior 500, l'apogée de la semaine au Titi. Aussi, Mike fut-il de retour sur une très britannique Norton pour la finale du vendredi. La machine de Mike avait été assemblée par ce magicien de la préparation qu'était Bill Lassie et qui s'était levé à 5h du matin à Ramsey pour changer une bougie sur la capricieuse Norton de Mike.
Les entraînements très matinaux étaient l'une des caractéristiques du Titi, ce qui ne convenait définitivement pas à la conception que se faisait Mike de la vie. Scotsman, Buck McIntyre et Alistair King. Un pilote d'Afrique du Sud, Paddy Driver, et le grand ami de Mike, Derek Minter. Phil Reed, qui remporta le Titi Junior. Tony Godfrey, très élégant. Gary Hawking, du Zimbabwe, favori sur sa MV Agusta d'usine. Mike, sur sa Norton, avec Hawking comme principal rival, a déjà gagné deux courses dans la semaine au Titi. Il part en se disant qu'il peut ici réaliser quelque chose. 10 secondes plus tard, c'est au tour d'Hawking. Bridge et McIntyre, Elwood et Hawking déboulent dans cet ordre. Ce qui signifie qu'Hawking mène la course avec 9 secondes d'avance. Après le passage montagneux de Sneffel, la puissance du 4 cylindres italien permet à Hawking d'entrer dans Carmichael avec une sérieuse avance. Mais Elwood s'accroche. De Carmichael et maintenant Elwood. Alors que Mike arrive pour ravitailler, Hawking est toujours dans les stands, ce qui pourrait poser un problème. Mike s'éloigne alors que Hawking court encore. Un tournant de la course avec encore 160 km à parcourir. Hawking mène encore de 20 secondes à Braden Bridge, mais à Ramsey, Mike a déjà réduit cette avance à 14 secondes. Les montagnes de nouveau, et Hawking semble avoir des problèmes avec sa moto. Mike est maintenant à 12 secondes. À Quarter Bridge, Mike est en tête alors que Hawking s'est une nouvelle fois arrêté au stand. Il repart, mais avec désormais 30 secondes de retard sur Elwood. Mike mène désormais de 40 secondes et le deuxième est McIntyre. Tristement, le tableau n'affiche plus aucun numéro 5. En effet, Hawking a dû abandonner sur problème moteur. Voici donc Mike en vainqueur et qui crée l'histoire du Titi par la même occasion avec 3 victoires dans la même semaine. Ceci confirme l'étonnante faculté d'Elwood à piloter au maximum n'importe quelle machine et dans n'importe quelle condition. Stan Elwood, un père très fier de célébrer la victoire de son fils Mike. L'un des meilleurs moments de ma vie fut de couvrir tous les Grands Prix en 1960, alors qu'Elwood était là. Durant cette période, nous sommes devenus de très bons amis et je découvris l'intérêt et les extraordinaires dispositions de Mike pour la musique, le jazz plus particulièrement.
Je me souviens d'une année où Chris Barber était présent à l'un des meetings, car il était ami avec Mike. Tony Godfrey était également présent et s'assurait de la batterie. Hellwood jouait de la trompette, du piano et de la clarinette. Le tout extrêmement bien. Mike adorait la vie. Il aimait s'amuser et comme le montrent les propres films de Mike, son humour était contagieux. Mais Mike pouvait être sérieux. La veuve de Mike, Pauline. Son sens de l'humour était toujours présent. Mais le matin, avant une course, il ne parlait pas énormément. C'était un jour de course et il voulait se concentrer sur ce qu'il allait faire. Il ne faisait pas tant l'idiot ces jours-là. Beaucoup après, mais jamais avant. Psychologiquement, il se préparait pour la course. Cette préparation porta ses fruits puisque Mike devint champion du monde 1961 en 125 sur sa Honda privée, battant ainsi les motos d'usine de Redman et de Taveri. Mais Sam Norton était complètement dépassé par la MV de son ami Gary Hawking et il finit la saison loin derrière en 500. ...1961 fut une saison particulièrement difficile... ...mais Mike, qui avait le don de se compliquer la vie... ...courait de surcroît régulièrement... ...pour la plus grande joie de ses fans... ...entre les Grands Prix et jusqu'en Amérique... ...dans différentes catégories. Victoire sur une Norton, mais une Honda bien abîmée. Encore du travail pour l'as de la mécanique, Nobby Clark. Nobby Clark et Ian McKay ont chacun travaillé pour Hellwood et Agostini. Comment les comparent-ils ? Ian McKay de chez Honda. Quand on repense à Mike Hellwood, objectivement, Mike n'était pas de la même époque qu'Agostini, question compétition. Ils avaient des personnalités et des styles de pilotage complètement opposés, chacun atteignant son but par des voies différentes. Mais personne ne peut nier que Mike fut probablement le meilleur de tous les temps. Il n'y a pas eu de machine vraiment inférieure, mais jamais de véritable équipe autour de lui. Agostini était italien et travaillait avec des Italiens.
Mike était anglais et travaillait avec des Japonais qui étaient relativement novices dans le monde du sport motocycliste, alors que MV était en place depuis longtemps. Mike était probablement moins bien équipé que n'importe qui d'autre, et cela dura d'ailleurs tout au long de sa carrière. C'était quelqu'un de très enthousiaste, mais néanmoins extrêmement dévoué. C'était un type joyeux, un playboy assez chanceux, un personnage. Mais c'était aussi un pilote très déterminé, qui savait ce qu'il voulait, mais n'arrivait pas souvent à l'obtenir. Vous ne pouviez jamais dire qui gagnerait, c'était impossible. Un jour l'un gagnait et un autre jour l'autre gagnait. Très difficile à prévoir. Chacun d'eux était un charmant homme, très professionnel et un brillant pilote. Mais leurs caractères étaient complètement opposés. Ils abordaient les problèmes sous des angles différents, cela étant partiellement dû à leur personnalité et à leurs besoins du moment. En 1962, Mike, sans grande surprise, signa avec MV Agusta. Cette combinaison se révéla quasiment imbattable, avec Mike gagnant 5 Grands Prix successivement avec la Hollande, la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne et l'Italie, et remportant par la même occasion un titre de champion du monde en 500. Encore une nouvelle page d'écrite pour le livre des records. L'année suivante, Mike va trouver sur sa route une nouvelle opposition avec les pilotes Geoff Duke, Phil Reed et John Hurtle et les motos italiennes Gilera. Comme d'habitude, Elwood mit la pression sur ses adversaires. Je me souviens de Elwood en train de me dire sur l'île de Man, je ne me souviens pas des mots exacts, mais c'était à peu près ça, qu'il allait leur montrer à Geoff Dukes et à la Scuderia Duke. Il m'a dit avant de partir qu'il avait l'intention de couvrir chaque tour qu'il courrait sur sa 500 à plus de 160 de moyenne, en course comme aux essais. Et ce, dès les essais du matin, en partant des stands. Et il l'a fait. C'était carrément démoralisant pour Derek Minter et John Hurtle. Ces deux pilotes n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Elwood montait tranquillement sur sa moto, enfilait ses lunettes, partait tout doucement et revenait au stand en ayant tourné à plus de 160 de moyenne. L'homme au loin, le toujours fantaisiste Mike Elwood sur sa MV. 10 secondes derrière, voici John Hurtle. 10 secondes devant le numéro 7, Phil Reed sur sa Gilera, le numéro 8, Alan Shepard sur la Matchless. À l'entrée de Gooseneck, voici arriver la Gilera. Et regardez, Elwood déjà sur les talons de Hurtle, et ce dès le premier tour. Mike rattrape rapidement Hurtle et joue au chat et à la souris pendant un bon nombre de tours. Puis, il part quand il le décide pour gagner facilement et, comme il l'avait annoncé, réalise à chaque tour une moyenne supérieure à 160 km/h. Hurtle et Elwood roulent en roue. Et Mike Elwood mène à Gooseneck au début de la montagne. Pour la seconde fois, le brillant champion du monde d'Oxford, âgé de 23 ans seulement, est en tête sur John Hurtle, numéro 4. Sur la Gilera italienne. L'art du pilotage de Mike, mentionné auparavant, ne fut jamais rendu aussi évident que lorsqu'il tournait sur le circuit du Titi, et ce aussi bien pour l'homme que pour sa machine. À hauteur de Ramsey pour la quatrième fois, Elwood mène maintenant de plus d'une minute sur John Hurtle. Pour la première fois, le tableau change. Signpost Corner et Mike Elwood est presque arrivé. En bas de Governor's Bridge, sur le plus lent des virages du circuit, arrive Mike Elwood, qui replonge facilement vers la bordure gauche avant de partir à fond vers Crutchery Road. Elwood passe la ligne d'arrivée. Mike vient de gagner avec un nouveau record du tour à plus de 170 km/h et une moyenne en course supérieure à 167 km/h. Il vient de démontrer que le moteur de la MV Agusta était la meilleure mécanique du senior. La première course de Formule 1 cette année, le trophée international de Goodwood. Adaptant son expérience des deux roues aux quatre roues, le numéro 16, Mike Elwood. Jusqu'ici, nous nous étions concentrés sur les deux roues, mais Mike prouva également son talent sur quatre roues. Dans sa carrière, Mike passa avec un égal bonheur des courses de club à la Formule 2, puis à la Formule 5000, pour s'essayer ensuite à des compétitions comme Le Mans, et enfin, direction la Formule 1, la première fois avec Surtees et ensuite avec McLaren.
Mais Mike n'a jamais semblé vouloir montrer son réel potentiel dans les courses de voitures. Il y rencontra toutefois un certain succès en remportant le championnat de F2 pour Surtees en 1972. Mais il ne semblait heureux que dans sa grosse et puissante Lola V8, courant avec quelques-uns de ses meilleurs amis comme David Hobbs et Dickie Atwood. La personnalité et l'enthousiasme de Mike dans la vie lui fit gagner de nombreux admirateurs et son attitude envers les compétitions sur quatre roues fut la même que sur deux roues. La course est un travail sérieux, mais il peut et doit être également amusant. Quelques-uns des contemporains de Mike, à cette époque, n'avaient pas la même conception de la vie que lui. Et donc, parfois, le cœur de Mike n'y était plus. Écoutons Pauline Elwood à ce sujet. Mike était assez intéressé par le fait de piloter des voitures. Et il fit quelques essais pour le team Parnell tout au début. Il aimait beaucoup cela, de la Formule 5000 jusqu'aux voitures de sport, comme celles courant au Mans. Il aimait Le Mans, bien que ce fût très difficile, comme vous l'imaginez. Il aimait ce circuit, car c'était un véritable challenge. Et les types qui conduisaient les voitures du Mans étaient tous amusants. Et Mike adorait s'amuser. Il fut beaucoup moins enthousiaste avec les gens qu'il côtoya en débarquant en Formule 1. Je suppose que la Formule 1 aurait été le top s'il avait pu gagner le championnat du monde, aussi bien sur deux roues que sur quatre roues. Cela aurait été fantastique. Mais il n'avait pas les mêmes affinités avec les gens de la Formule 1 qu'avec les gens de la Formule 5000 et avec ceux du Mans. Les gens de la Formule 1 prenaient les choses très très au sérieux. Et bien sûr, Mike traînait cette réputation de playboy, ne prenant pas les choses au sérieux. En fait, il prenait les choses au sérieux, mais il aimait toujours s'amuser. C'est Jim Clark qui mène devant Gunny, Graham Hill, Surtees et Brabham sur la McLaren numéro 6. Lotus, Brabham, BRM et Ferrari dans la descente qui mène vers le bas du circuit. Derrière les quatre leaders, le groupe intermédiaire se sépare. Joe Bonnier sort alors qu'il était en 8e position et derrière lui, Mike Elwood suit la même voie. Pas de dommage apparent, mais cela entraînera une fuite de carburant, ce qui mettra fin à sa course. Mike combinait les courses de voiture avec les courses de moto. Mais écoutez Mike en 1964. Sa préférence apparaît comme flagrante et il nous explique pourquoi. Je suis toujours content de reprendre les courses de moto après les compétitions sur quatre roues parce que je trouve l'ambiance moto nettement plus amicale et l'atmosphère plus sympathique. La moto est plus un sport que la voiture. Dès que j'ai atteint l'âge de la majorité, j'ai commencé les courses. J'ai réussi 3 ou 4 premières places dès ma première saison. Mais je passais le plus clair de mon temps à l'hôpital. Je tombais chaque week-end. Mais j'étais nettement plus enthousiaste que bon pilote. Mais maintenant, je maîtrise la moto comme je ne l'ai jamais fait avec une voiture de course. Lorsque vous chutez en moto, vous tombez juste de celle-ci. Vous glissez sur la route, vous vous arrachez un peu de peau, et le seul moment où éventuellement vous pouvez vous blesser, c'est lorsque vous rencontrez un obstacle. Dans une voiture, c'est différent. Vous avez besoin de 2 minutes pour entrer, mais comment vous faites pour en sortir? Sur une moto, vous contrôlez avec vos mains. Et le plus difficile en voiture était de changer de vitesse avec mes mains au lieu de mes pieds. Je n'ai jamais su quelle vitesse était engagée lorsque j'étais dans une voiture, ce qui était un peu effrayant. Et bien sûr, sur une moto, vous avancez tout droit le plus souvent possible. Alors que dans une voiture, vous passez votre temps à essayer de vous faufiler à chaque endroit avec des roues qui sautent sans arrêt. C'est très effrayant la première fois que vous pilotez une Formule 1. À l'entrée d'un virage, vous ne savez jamais où tout le monde va aller. Vous tournez vos roues et parfois vous partez en sous-virage. Alors vous remettez des gaz pour partir en glisse de l'arrière. Et c'est contre tous mes principes d'avoir quelque chose qui glisse. Ayant conduit une moto depuis l'âge de 7 ans, vous n'êtes pas supposé glisser. Vous n'êtes pas supposé glisser.
Mike eut définitivement davantage de succès sur deux roues que sur quatre. Et il devint champion du monde en 500 cm cube quatre années d'affilée, de 62 à 65. Durant cette période, la principale opposition que rencontra Mike vint de pilotes comme Minter, Redman, Hartle, Reed, Shepard, Tavery, Duff, Finlay et Hearn. Mais Allwood eut une relation très spéciale avec un petit bonhomme nommé Bill Ivy. Ils avaient effectivement une chose en commun, comme le disait un concurrent. Ils étaient aussi fous l'un que l'autre. Si vous étiez en compagnie d'Allwood, vous pouviez être sûr que vous alliez vous amuser. Il faisait toutes sortes de farces, mais nous l'avons tous fait, je suppose. Un des grands amis de Mike durant cette période des années 60 fut Bill Ivy. Et je me souviens du culte des cheveux longs, du fameux Flower Power, des immenses lunettes noires. Ils avaient l'habitude d'arriver sur les circuits tels des hippies. Et les gens se demandaient à qui ils avaient affaire avant de réaliser qui ils étaient. Je me rappelle une des plaisanteries faites aux premiers essais privés réalisés par Geoff Duke sur les Gilera à Monza. Une espèce de loustique arriva avec un gros par-dessus, un genre de par-dessus que vous ne portez pas normalement en Italie. Il traînait des pieds, portait des lunettes noires. Tout le monde regardait cet homme. Et c'était bien sûr Allwood. C'était une vilaine blague visant à démoraliser les pilotes de Gilera. Duke lui demanda alors ce qu'il faisait ici. Et il répondit que Gilera l'avait invité et lui avait demandé s'il pouvait faire un tour de circuit si jamais Hartle et Minter se traînaient. Mike demanda s'il pouvait essayer la Gilera. Ceci démoralisa complètement les pilotes, Hartle tout particulièrement. Mais tout ceci était entièrement faux, bien entendu. En fait, Allwood était venu directement de l'usine MV et avait signé le jour précédent pour la prochaine saison. Comme nous l'avons dit plus tôt, si Mike connut une incontestable réussite en 350 et en 500 avec les MV, lui et Redman étaient totalement surclassés en 250 sur leur Honda. En 1966, Honda décida de mettre au point de nouvelles machines afin de rivaliser avec Yamaha et Phil Reed, champions du monde en 250 les deux années précédentes. Aussi, Mike reçut-il une toute nouvelle Honda 6 cylindres, un véritable petit bijou de technologie qui devait amener Allwood à remporter 10 victoires en Grand Prix et ainsi glaner son second titre de champion du monde en 250. Et voici le champion en titre sur sa Yamaha, Phil Reed, suivi d'Ivy et de Redman. Mike Allwood, qui a réalisé de superbes essais, tournant à plus de 136 km/h de moyenne sur le mouillé, passant ainsi devant Phil Reed et sa Yamaha, pas forcément la meilleure moto pour Assen. Ils vont se tenir sur toute la distance et Allwood ne lâchera pas le champion en titre. À la surprise générale, Allwood s'en tiendra à 133 km/h de moyenne. Ce qui n'empêchera pas d'empocher ici une autre victoire. 6 titis remportés dans 3 catégories différentes en 5 ans. Mais observons le maître travailler pendant qu'il aborde le dernier tour, avec plus d'une minute d'avance sur Reed. Voici Mike sur le chemin du titre de champion du monde 1966 en 250. Mike céda son titre en 500 cette année-là à un jeune pilote italien qui fut son principal concurrent jusque-là chez MV Agusta, Giacomo Agostini. Honda prépara une nouvelle 500 pour Mike et l'une de leurs plus grandes batailles, probablement même la plus mémorable, eut lieu en 1967 au Titi. Vous venez de réécrire l'histoire en remportant votre 11e Titi, en battant ainsi le record de Stanley Woods. Que cela signifie-t-il pour vous ? Je suis très fier de l'avoir fait, naturellement, mais ça ne me préoccupe pas plus que ça. Qu'allez-vous donc faire maintenant ? Y retourner.
Oui, mais allez-vous décrocher avant d'y retourner? Allez-vous continuer de courir pour encore 2 ou 3 ans ou n'avez-vous aucun plan d'avenir? Pour le moment, je n'ai pas de projet. Je crois que Honda revient l'année prochaine. Aussi, je présume que je piloterai l'année prochaine encore. Parfait. Mais parlez-nous d'Agostini. Quelle sorte d'opposition attendez-vous de lui vendredi par rapport à aujourd'hui? Bien plus dur, je pense. Pourquoi? Je crois que les MV sont plus faciles à piloter et à démarrer. Et je sais qu'il sera plus rapide vendredi qu'aujourd'hui. Je pense qu'il s'économise ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je suis sûr que c'est rien de dire que vous êtes particulièrement impatient de gagner vendredi. Ça, vous pouvez dire. Treize secondes plus tard, Agostini avec sa MV3 extrêmement tendue par l'une des plus importantes courses de sa carrière. Et un autre démarrage du 3-cylindres italien. En 1967, on a pu assister à une extraordinaire course au Titi Senior entre Agostini et Elwood. Ce fut l'année où Agostini était sur une MV500 3 cylindres, relativement remaniée, et Elwood courait avec la toute nouvelle Honda. La Honda a été reconnue pour être la plus puissante du plateau. Mais si elle avait la puissance, il en allait tout autrement de sa tenue de route. Personne ne le savait. Aucun organe de presse n'en avait parlé. Les spectateurs sur l'île l'ignoraient. Je suppose que même les ingénieurs de chez Honda n'en savaient rien. La seule personne à pouvoir s'en rendre compte était son pilote, Michael Wood. Une fois de plus, il gagna. Gagner, il le fit, mais pas avant d'avoir réellement enthousiasmé ses milliers de fans en parcourant les 60 km du circuit et en réalisant l'une de ses meilleures courses de tous les temps. Elwood commença la course 30 secondes devant Agostini et après 5 tours, soit près de 300 km parcourus, il était toujours 30 secondes devant. Il n'y eut jamais plus de 10 secondes de différence entre les deux pilotes. Le Titi a toujours été très controversé, mais ce sera toujours l'ultime challenge. Giacomo Agostini nous livre ici sa propre opinion. L'île de Man est, je pense, l'un des meilleurs circuits pour le pilotage. Mais vous ne devez pas penser à votre vie, à la sécurité, car c'est vraiment très dangereux. Et question pilotage, c'est le top que vous puissiez trouver sur une moto. À un tour de la fin, c'est le désastre pour Agostini. Je me souviens d'une de mes grandes déceptions lorsque je courais avec Mike Elwood. Ma chaîne a cassé au dernier tour et je me souviens pleurer des montagnes jusqu'à la ligne d'arrivée. Je pleurais sur ma moto parce que gagner sur l'île de Man en battant Michael Wood n'était pas chose facile. Et cette fois, j'abandonnais avec seulement 8 secondes d'écart. J'étais très déçu. Agostini, avec une chaîne cassée, il quitte la piste à Governors. Quelle malchance! Pendant que les autres pilotes avancent, le pauvre Agostini avance en roue libre. Essaye de continuer. Déception pour Agostini le jour de son anniversaire, mais la vie a ses compensations. Je ne me souviens pas si c'était mon anniversaire, mais je me souviens avoir eu un très bon dîner avec une très jolie femme à la fin de cette journée. À Ramsey Harpin, Elwood totalement à la limite, voire même au-delà en fait. Juste après avoir passé Waterworks et Gooseneck, Mike semble comme habité. Seulement lui peut piloter la grosse Honda comme ça. Comme bien sûr, il le ferait sur n'importe quelle autre moto. En arrivant dans la course de Signpost au 5e tour, Elwood accumule des tours à plus de 160 km/h de moyenne. Et encore une autre victoire pour Mike Elwood, une magnifique victoire, mais une victoire due en partie à la malchance d'un brillant pilote. Avec Agostini hors course, Mike était sur le chemin de sa 12e victoire au Titi. Mais il arriva physiquement et mentalement épuisé. La course était épuisante, mais Mike ne se plaignait jamais. Les courses de moto sont dangereuses. Un fait jamais démenti par Mike ou d'autres personnes exerçant cette même profession. Vous devez être courageux. Et Mike n'a jamais fait autant preuve de courage que lorsqu'il sauva la vie du pilote Claire Regazzoni au Grand Prix d'Afrique du Sud en 1973.
Premièrement, en garant sa Marshall sur le côté. Et deuxièmement, en plongeant dans les flammes pour mettre Regazzoni en sécurité. J'étais avec lui ce jour-là. Il courait pour Surtees à ce moment-là. Et tout allait bien. Jusqu'à ce que Mike ne revienne pas. Soudainement, tout le monde me regarda. Et je pensais que quelque chose était arrivé à Mike. Et alors, nous avons vu les ambulances partir. Et nous avons imaginé le pire. J'étais dans les stands. Je ne voyais rien. John Surtees partit des stands pour aller à la rencontre de Mike, alors qu'il arrivait. Mike marcha simplement à travers les stands. Son visage était blême, complètement blême. Et nous y sommes allés. Nous sommes restés avec Patty Driver, un ami de Mike, lui aussi pilote de moto. Il vint vers moi comme cela. Il a attrapé son casque, on est sorti, on a pris la moto pour retourner au paddock. Il n'a pas dit un mot. Il prit un bain, revint, se servit un verre. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a dit que oui. Il n'a pas dit un mot de l'accident. Je ne sais absolument rien de l'accident de Regazzoni. Mike s'était retrouvé dans les flammes lui-même, se tenant près d'une citerne de fioul fissurée. Je ne sus rien avant le lendemain matin, avant de lire le journal et d'écouter la radio, et d'apprendre ainsi ce qu'il avait fait. Et je lui dis, « Mais tu ne m'as rien dit de tout ça. » Et il répondit que n'importe quel pompier aurait fait ça, que ce n'était rien. Pour lui, ce n'était rien de spécial. Mais il l'a fait, et il n'y pensa plus jamais après. Il ne pensait pas du tout avoir fait quelque chose de spécial. On lui attribua une médaille pour ça. Mais il pensait réellement ne pas la mériter, car il avait fait juste quelque chose que font les pompiers tous les jours. Il ne voyait pas en quoi il était différent. Durant la carrière sur deux roues de Mike, le pilote ayant certainement le plus souffert de son talent et de sa réussite fut le champion du monde Phil Reed. Durant des années, Mike fut le pilote contre lequel je me suis battu et celui qui mit fin à mes victoires. Je sais que j'ai fini quasiment à égalité avec lui dans deux championnats du monde. J'étais second, juste derrière lui. Et si ça n'avait pas été lui, j'aurais probablement gagné deux ou trois titres de champion du monde supplémentaires. J'aurais donc été un peu plus riche et gagné beaucoup plus de grands prix et de courses internationales. C'était un maître, mais il pilotait toujours à la régulière. Vous pouviez vous retrouver épaule contre épaule avec lui dans une courbe. Il ne vous faisait jamais de coups fourrés. Il vous battait juste grâce à son talent. Mike se retira de la course moto en 1967, mais revint 11 ans plus tard pour défier Reed. L'année suivante, en 1978, Mike Elwood avait apparemment entendu dire que le bon vieux Phil Reed avait effectivement gagné une course au TT et avait ainsi obtenu un autre titre de champion du monde. Et je pense que Mike ressentit la même frustration que celle que j'avais moi-même ressentie l'année précédente. Il s'est dit que si Reed pouvait le faire, il pouvait le faire aussi. J'étais ravi du retour de Mike, car je pensais que Mike était l'un des plus grands pilotes de tous les temps. J'avais énormément d'admiration pour lui. J'essayais toujours de le battre, mais c'est une chose très difficile à faire. Il est donc revenu au TT comme au bon vieux temps, mais j'étais réellement très inquiet. Mais que pense Mike lui-même de cet incroyable retour ? Je ne peux espérer revenir et piloter comme je l'ai fait en 1967 ou lors de mon départ en 1971, où j'étais capable de battre n'importe qui. Mais j'espère pouvoir réaliser beaucoup d'essais cet hiver et je partirai en Europe en avril ou en mai où je pourrai m'entraîner intensément et ainsi rejoindre l'île de Man assez tôt. Et j'espère après cela pouvoir revenir en course relativement compétitif. Comment Pauline se sentait-elle à ce moment-là?
Lorsque les gens se mirent en place pour son retour, lorsque cela a réellement redémarré, je pense qu'il espérait juste que ça aille tout seul, faire les choses calmement, certainement pour se prouver qu'il était toujours capable de le faire. Mais bien sûr, ça ne s'est pas passé comme ça. L'enthousiasme et les réactions de joie que cela a suscité, tout cela fut stupéfiant. Tout le monde désirait que tout se passe bien, et il était terrifié à l'idée de mal faire, et ainsi de laisser tomber indirectement tous ces gens qui croyaient en lui. Il était très soucieux de savoir ce que ses fans pensaient de lui. Il détestait le fait de pouvoir éventuellement les décevoir. Le reste est entré dans l'histoire. Il ne déçut absolument personne. Il revint 10 ans en arrière et le style si fluide d'Dale Wood était de nouveau en piste. Exactement comme s'il n'était jamais descendu de sa moto. Sa Ducati F1 rugit à plein poumon. Il prend le départ avec environ 15 secondes de retard sur Reed et il a la ferme intention de réduire ce retard, seconde par seconde, mètre par mètre, jusqu'à se retrouver aux côtés de Reed. La foule était en extase, son héros Elwood a rattrapé et dépassé Phil Reed, dont les commentaires acerbes n'ont pas fait de lui la personne la plus populaire de l'île. C'était un rêve devenant réalité, une fin digne d'un conte de fées. Tout s'écrivait et parlait du retour triomphant de Mike the Bike. Mais il y aura un chapitre supplémentaire à l'histoire. Mike ne va pas laisser les choses en l'état. En 1979, il fait un autre comeback et tente de nouveau sa chance au TT Senior en 500 cm3, cette catégorie qui lui avait apporté tant de gloire les années précédentes. Eh bien, je pense que tout le monde espère que je vais faire aussi fort que l'année dernière. Et c'est quelque chose que vous espérez également ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas avant d'y être arrivé. Mais pour le moment, je ne me sens pas faire aussi bien que ce que j'ai fait l'année dernière. Question suivante. Pourquoi courez-vous cette année ? J'ai besoin d'argent. Non. Lors de la dernière course à Silverstone, tout s'est passé tellement bien. Tout le monde m'a demandé si j'allais encore courir au TT. Je leur ai dit que je ne savais pas, mais lorsque je suis retourné en Nouvelle-Zélande, je me suis terriblement ennuyé. Et je me suis dit pourquoi pas. Le retour de Mike apporta de nouveau éclat et gloire au TT, lequel avait souffert depuis la perte de son statut d'épreuve comptant pour le championnat du monde. Les milliers de spectateurs attirés par l'événement sur l'île s'émerveillèrent de l'habileté du maestro Mike Elwood, qui pilota sans effort apparent, kilomètre après kilomètre, comme pour prouver que c'était toujours lui le maître. Elwood à fond dans Hillsbury. Elwood. Mike a déjà gagné ici 14 fois et la couronne ne changera pas de tête. Malheureusement, Mike n'est plus parmi nous pour nous faire frissonner. Mais il pourrait probablement y en avoir un autre, comme le fils de Mike, David, qui montre un grand intérêt pour la moto. Comment Pauline ressent-elle cela ? Il joue de la guitare comme son père. Il joue avec la guitare de Mike. Il vient, il prend la guitare, s'assoit, jouant tout comme Mike le faisait. Il y a tellement de points communs avec Mike, mais je ne peux pas dire s'il possède aussi le talent de son père en matière de pilotage moto. Si c'est le cas, c'est vraiment ce qu'il veut faire, je ne l'arrêterai pas.
Et comme son père, j'essaierai de l'encourager le plus possible. Mais je ne peux pas dire que je serais vraiment ravie de le voir commencer. C'est comme il veut. 20 secondes plus tard, c'est Mike Elwood sur la Ducati. Que David fasse de la course ou non, le nom d'Elwood vivra toujours. En plus de 20 années de course, Mike a apporté du plaisir à des millions de fans autour du monde. Il a gagné un nombre incroyable de 76 Grands Prix, survécu à un terrible accident au Nürburgring, accident qui a mis fin à sa carrière de pilote de voiture et marqua son grand retour grâce au triomphe du Titi en 1978, triomphe répété en 1979, après être resté absent de la compétition pendant près de 11 ans. Tout au long de sa carrière, Mike fut le même personnage amusant, affectueux, qui était réellement embarrassé de tout l'intérêt qu'on pouvait lui porter et qui pensait toujours aux autres avant lui-même. Cet homme, c'était Mike Elwood. J'aimerais remercier Martin et Rada qui ont travaillé sur la machine parce que je sais qu'ils ont travaillé toute la nuit dernière pour changer l'esprit du vilebrequin, quelque chose de très technique. Aussi, j'aimerais les remercier pour leur dur travail. Merci également à mes sponsors et mes félicitations à Tony et Dennis.